Salut Justic, c'est Van Axel et bienvenue dans Passionné de musique découvre. Là, c'est une vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc énormément merci pour ça. Je rappelle les deux petits traits que je m'impose sur la série de vidéos, vous commencez à connaître la formule. On pose pas pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et on balaye tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, en passant par le hip-hop, le rock, l'électro, des trucs plus ou moins extrêmes, du death metal. Donc n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudriez que je réagisse. Aujourd'hui, on répond à une suggestion de Jimouille qui me disait lors de ma vidéo sur le top 5, un de ses albums de l'année, c'était l'album de Willow, que je connais pas du tout. Il m'a dit que tu devrais écouter, si tu veux rentrer dans son univers, le morceau Transparent Soul avec Travis Barker. Donc Travis Barker qui, si je ne dis pas de conneries, est le batteur de Blink-182. Ouais, je le connais juste via le fait qu'il soit batteur de Blink-182, même si j'étais pas vraiment fan de Blink quand j'étais plus jeune. Et donc curieux de voir un peu vers quoi on se dirige. J'ose espérer un truc un peu, tu vois, rock, un peu énergie, pop, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien du tout. Et donc, on va écouter ça ensemble. 2 minutes 56, petit morceau radio friendly, on va dire, en termes de durée. Et puis, je donne mon avis à la fin. Allez, c'est parti avec Willow, Transparent Soul, feat. Travis Barker. Ok, on est sur une rythmique classique, rock'n'roll. Rock un peu indie rock, tu vois. Bien produit, la basse bien mise en avant. Très mélodique. J'aime bien. Yes, ça explose un peu. Très cool. Très intéressant. Des gros aspects pop dans le morceau. Et en même temps, un gros mood rock des années 80-90, tu vois. Yeah, c'est super bon. Des harmonies vocales derrière. Un peu chaotique dans la prod là, j'aime bien. C'est très rock en fait, je m'attendais pas à ça. Gros travail au niveau de la section rythmique aussi. Une sorte de Joan Jett des années 2020, tu vois. Très 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 cool. C'était Willow avec Transparent Soul feat Travis Barker. Merci d'avoir suggéré. Ouais, j'avais un gros feeling, genre, ça emprunte énormément au rock, rock classique, tu vois, années 80s, 90s. Ça emprunte également à des codes un peu plus de la pop, notamment dans les productions. À un moment, il y a un moment un peu chaotique, tu vois, presque une production un peu grunge, et j'ai vachement apprécié ça. Et je trouve que c'est un peu, ouais, une espèce de rockstar 2020, tu vois, genre, dans ma tête, j'avais Joan Jett, tu vois, ou les Runaways. Et mes versions 2020, tu vois, enfin post-2020, on va dire, 2020 et plus, et je trouve que ça marche super bien, ça revient, on va dire, aux racines du rock'n'roll, simple, ça envoie, un couplet un peu plus chill, un refrain qui envoie, et vraiment, j'ai eu ce feeling, genre, revenir 40 ans en arrière, mais avec une prod de maintenant, et avec ce qui marche aussi dans les codes musicales actuels. Mais c'est super bien réalisé, c'est super bien foutu.
belle présence, belle voix, belle réalisation au niveau du clip, il y a des belles couleurs, je veux dire, tout est beau, tu vois, genre, les gens sont beaux dans le clip, oui, mais il y a aussi, tu vois, genre, cette espèce de choix de couleur, de color gradation, comme on dit en anglais, color grading, je veux dire, et t'as vraiment des choix qui sont très très intéressants. Et ouais, c'est super. J'espère que son album, il est dans le même registre. Je sais pas si elle va dans d'autres registres, mais si c'est dans le même registre, pour moi, on peut tenir, on tient un peu une artiste rock, on va dire, de cette une des artistes rock de cette génération, et ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Je trouve que c'est un super morceau. Je vais aller plonger un peu dans le projet. Et puis, je vous dis à la prochaine, les Gnostiques. Allez, ciao, des bisous.